Bonjour tout le monde. Je vous propose ce petit plugin qui vous permettra de mettre WordPress en mode maintenance. Comme nous allons le voir dans le tutoriel, vous n'aurez qu'à créer la page de maintenance, personnaliser et activer l'extension et puis c'est tout. Donc vous vous rendrez donc dans VP Content, thème. Bon, ici j'ai choisi 2011, ça vaut pour tout autre thème hein, bien sûr. Alors ici vous créez donc un fichier maintenance.php, c'est tout. Alors, ce fichier se présente de la manière suivante, eh bien, c'est un basique HTML, hein, tout simplement. Et ici, moi j'ai mis, donc, dans une balise H1, le site est en maintenance, merci de le comprendre. Alors, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez ajouter une image, enfin, vous le personnalisez comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, ceci étant fait, bien sûr, vous envoyez votre fichier côté serveur, et nous nous rendons donc sur le tableau de bord. Alors, vous allez dans Extension Ajouter et vous allez dans Envoyer, vous l'aurez téléchargé et hop, vous allez le chercher, choisir un fichier et ensuite vous l'activez. Là, le fichier est activé. Si vous le souhaitez, ce que de revenir sur le site, vous pouvez vous rendre dans Modifier. Ici, nous avons le plugin. Et ici, vous avez un README qui vous résume l'installation qui, somme toute, est très très simple. Cela tient en deux lignes. Voilà. Nous nous rendons donc sur le site. Alors, je rafraîchis ma page. Je suis censé donc, ici, de faire mes modifications. Changer de thème, par exemple, ou ajuster le CSS. Alors, moi-même ou toute autre personne qui aura le rang administrateur verra donc les modifications apportées. Pendant ce temps-là, vos visiteurs, ici, je rafraîchis la page. Voilà ce qu'ils auront. Alors, à vous de personnaliser. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, ben ici, c'est terminé. N'hésitez pas et je vous dis à bientôt.